Encadré, donc c'est bon. Hein? C'est bon. Ouais, on a un pompier, donc. On essaye de reconnaître un petit peu, et comme ça on pourra se faire bien plaisir pendant la course. Tu sais quel itinéraire tu prends? Demain? Ouais. Je pense le même là que celui qu'on vient de faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire sur le. Donc en haut, on part sur la gauche. Sur la droite. Non, en haut, c'est sur la gauche. On était sur la gauche. Non, tout en haut, pardon, sur la droite pour prendre la combe sur le côté. Pour avoir la bonne neige, toujours bonne neige poudreuse. Après, on descend un peu plus loin sur la gauche pour couper, pour prendre à nouveau la combe avec la bonne neige douce. Kamel a eu 2-3 petits soucis pendant la première descente. Du coup, on a fait un petit changement de dossier. Donc moi, on m'a mis un dossier plus bas et Kamel un dossier plus haut. Ça change quoi en fait, les dossiers? Le dossier, ça maintient plus ou moins le dos. Donc plus on est pris haut, normalement, au niveau de la paraplégie, plus on a un dossier haut. Et plus on a nos abdos, plus on a un dossier bas. Mais j'ai une super opportunité aujourd'hui d'essayer un dossier bas, grâce à Magic Bastos. Elle peut aller encore tout en bas, au fond, tout à droite, là où il y a les traces. Thank you.
impressions, Jean-Pierre, à quelques minutes du départ? Eh ben, elles sont excellentes. T'es chaud? Ouais, ben, je sais qui je dois suivre, avec des trajectoires divergentes. Alors, on se retrouve en bas. Ah ouais. Parti tous ensemble, donc on a commencé un peu à se croiser au départ sur le grand chose. Quelques petites hésitations pour faire des courbes. Puis après finalement Bastos est parti devant, donc on s'est dit qu'il faut essayer de suivre. Tout droit. Et jusqu'au poussé de bâton. Puis là les accompagnateurs heureusement sont intervenus parce que les épaules commençaient à bosser. Et puis là on est parti après sur les côtés dans les combes avec une très bonne neige. Donc pas trop glacée, pas trop poudreuse, pas mal de virages, des grandes courbes. Et puis au bout de quelques temps, je ne retrouvais plus trop les traces. Heureusement, Charlotte est arrivée et m'a redirigé. Attention, plutôt à gauche, plutôt à droite. Voilà, sans casse de ski ni rien du tout. Donc très bien, mais plus de bras. C'est vrai. Ouais. Les bras sont restés sur la piste. Donc super, merci bien. J'ai essayé de voir Bastien pendant ma course, je n'ai pas réussi. Juste au premier mètre. Et puis après, ça secouait bien quand même sur la fin là. J'ai pris beaucoup de plaisir et je reviendrai sûrement l'année prochaine pour un peu taquiner Bastien encore. Grosse dédicace à tout le monde parce que c'est une sacrée organisation quand même. Alors la première partie, un régal, j'étais derrière Bastien. J'avais l'impression que je lui mettais la pression. Et alors là, ça a été le seul moment jubilatoire parce que alors après, dans le passage, dans le chemin, je les ai tous vus me passer les uns après les autres, à droite, à gauche, tu vois. Et un surfeur, c'est pas terrible quand même, comme accompagnateur. C'était une très belle course, vraiment une très bonne course. La neige était top, je me suis pas trompé de trajectoire. J'ai changé un petit peu mon tracé par rapport au repérage d'hier, mais en tout cas, bonne sensation. Je n'ai pas fait d'erreur, je suis pas tombé. Voilà. Je suis hyper content, c'est mon deuxième derby et ce sera certainement pas le dernier. Merci beaucoup à Mathieu qui m'a bien aidé. Merci aussi à Charlotte et à Rémi qui m'ont poussé aussi dans le plat, se sont relayés et tout. Donc ça c'était un bon coup de main aussi parce que le faux plat là, avant la descente c'était un peu compliqué. Donc merci à vous trois. Super bonne sensation, très beau temps, neige impeccable. Super bien passé, de bons accompagnateurs, on en a bien besoin quand on plante pour nous sortir. En tout cas, merci beaucoup à l'association Magic Bastos, c'était un réel plaisir. Encore une fois, merci, c'était super cool. Tu reviens ? Ah ouais, je reviens avec plaisir. Ouais. D'accord. Tu fais quoi pour t'améliorer la prochaine fois ? Faire un peu plus de sorties avec Bastien à la plagne pour essayer de le suivre dans les hors-pistes et pour essayer d'apprendre en le regardant. Les petits jeunes qui arrivent. Derrière, ouais. Ça va être de plus en plus dur. Mais bon, pour l'instant, ça passe encore. T'as une dédicace à faire à ton accompagnateur ? Ouais, c'est grâce à lui que j'arrive premier. Non, si, c'est grâce à lui. Wow. Non, il est trop chou. Ouais, c'est un petit coach. Faut l'aider. Passe là. Il pousse bien, il pousse bien. Mais il y a d'autres coachs aussi qui arrivent et qui sont bons et qui vont aider aussi bien. Ouais, je leur transmets. Ouais. Qui vont pousser plus fort que toi, tu vas voir. Ils sont en train de chauffer d'expérience, ils vont être bons, je pense. Mais il y a encore du boulot. Bon, ouais, moi je vais prendre un autre poulain là, tu vas voir. Ouais. Génial. Au top. J'en ai plein les bras. Bien joué les gars. Des chutes à gauche, des chutes à droite, hop là, j'ai fait en prendre une là. Non, ça a été. Fatigante mais ça a été. C'est quoi le plus difficile ? Je crois que c'est l'arrivée, je crois. L'arrivée, il y a des trous, des chicanes, j'ai tout embarqué.